sein de la New Calcola Corporation, nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous à bord du monorail New Cal Express. Pour votre propre sécurité, merci de rester assis ou de vous tenir aux mains courantes lorsque le train est en marche. Si vous regardez sur la droite du monorail, vous pouvez observer le célèbre Mont Pétillant de New Cal World. Haut de plus de 100 mètres, le Mont Pétillant est la plus grande structure artificielle de New Cal World. Venez profiter de son restaurant panoramique 5 étoiles, le Grill du Mont Pétillant. Droit devant vous se dresse le cœur de New Cal World, New Cal Town, avec l'arène de Colacas. Alors comme ça, Harvey a réussi à persuader un autre pigeon d'aider sa famille. J'ai du mal à croire que ce gag marche encore. Je n'ai que quelques instants. Alors écoutez-moi bien. Je m'appelle Gage. Porteur Gage. Et à vrai dire, vous avez été piégé. Ceci n'est pas une mission de sauvetage. C'est un piège mortel. Mais si jamais vous vous en sortez, j'ai une offre intéressante à vous faire. En attendant, amusez-vous et offrez-nous un bon spectacle. Je n'en manquerai pas une miette. Attention mes indésirables préférés. Si vous n'avez pas remarqué, on dirait qu'on va avoir de la viande fraîche dans l'arène. Et c'est parti. Espérons que notre nouvelle proie trouvera un peu d'inspiration en pensant à tous ceux qui ont échoué avant lui. Notre nouvelle victime sait éviter des balles, on dirait. Heureusement qu'on a d'autres surprises en réserve pour lui. Notre victime est toujours en vie, mais ne désespérez pas. La reine lui réserve encore bien des surprises. On dirait que ce singe te joue une marche funèbre à la victime. J'espère que quelqu'un a apporté du Radaway, parce que notre petite victime va se faire rôtir comme un écureuil à la broche. C'est bon. Monsieur se prend pour un valeur, hein, mais la reine n'a pas encore fini avec lui. Notre victime a sûrement connu des jours meilleurs, mais il respire encore, malheureusement.
qu'est-ce qui va nous suivre cette fois ? Génial. C'est une blague ? Je savais qu'on aurait dû installer des tourelles là-dedans. On va le faire redescendre sur Terre. On va voir si ça n'arrive pas plus de gaz avant de se faire gazer. Tourner quelques valves ne suffira pas pour couper le gaz. Ça y est. Vous ne faites que perdre du temps. Et voilà. Vas-y, pauvre petite victime, respire un bon bol d'air frais, tant que tu veux encore.
Ça, vous connaissez ce son, pas vrai? Alors bougez-vous le cul et rejoignez Colacar, sautez vite. Le clou du spectacle va bientôt commencer. C'est bon? Tout est branché, Gage? Ouais, boss. Pas trop tôt. Va m'éteindre cette putain d'alarme. Ok, je m'en occupe. Bon, alors, où est-ce que... Ah, voilà ma nouvelle victime. Bon, on dirait que ça va pas durer longtemps. Voilà comment ça fonctionne. Va t'équiper, rends-toi présentable et reviens ici qu'on offre un petit spectacle à tous ces gens. Un spectacle au cours duquel je décorerai les murs que tu vois là avec ta matière grise. Avec cette armure, il peut y avoir qu'un seul gagnant. Moi. Tu te crois balèze parce que t'as réussi à arriver jusque-là? Va tomber de haut. Ok, Gage, laisse-le passer. Quelque chose me dit que je vais me régaler. Le grand moment est arrivé. Et après une telle traversée de l'arène, ce massacre s'annonce absolument épique. Bon, écoutez-moi si vous voulez vous en tirer vivant. Je n'ai qu'une minute. Cherchez l'intercom mural. Je vais faire vite. Allez, on perd du temps, là. Qui est-ce? Je suis celui qui va vous permettre de rester en vie. Alors écoutez-moi. Je n'ai pas besoin de votre aide. Hé, hey, croyez-moi. Bon. Vous ne partirez pas d'ici sans. Écoutez, si vous avez réussi à arriver jusque-là, c'est que vous savez vous débrouiller. Mais le combat qui vous attend est truqué. Vous savez, le grand Manitou Colter. Son armure assistée est réglée de sorte à absorber la puissance du réseau électrique de l'arène. Ça le rend carrément invincible. Vos prédécesseurs ont tout essayé. Minigun, grenade, rien. Pas une égratignure. Vous commencez à piger ce que je veux vous dire? C'est quoi ces conneries? C'est pas des conneries, justement. Et si vous voulez vous en tirer, il va falloir la jouer fine. Vous voulez gagner? J'ai planqué une arme dans un casier. Allez la chercher. Thank you.
C'est bon. Hein ? La puissance de la reine a chuté de 30%. C'est vous qui... Vous allez tout de même avoir besoin du flingue, mais ça devrait aider. Ça y est. Oh, ouais. Est-ce que c'est bien un pistolet à eau ? Ouais, ouais, je sais de quoi ça a l'air. Vous allez devoir me faire confiance, ok ? C'est ça, votre plan ? Vous avez perdu la tête ? Eh, c'est votre vie. Si vous y tenez un tant soit peu, je vous suggère de m'écouter. Dès que l'eau touchera l'armure assistée à alimentation électrique de Golder, elle causera un court-circuit. Ça bousillera ses défenses et vous aurez le temps de lui infliger des dégâts avant qu'elle se recharge. Si vous le dégommez, je vous promets que ça vous paiera de tout le temps que vous avez passé dans l'arène. Ok, mais si ça rate, j'aurai votre tête. Bah, si ça rate, vous serez plus en état de faire grand-chose. D'accord. Bon allez, c'est l'heure. Je vais ouvrir la porte. On se retrouve de l'autre côté. Serait-ce un pistolet à eau ?
cœur est fort. Un nouveau grand Manitou. Ce type, t'es sûr, Gage? J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. Hé, on a déjà parlé de ça. Il a survécu à l'arène. Il a été assez malin pour suivre mes conseils et assez fort pour tuer Colter. Il est exactement ce qu'il nous faut. Alors si on montrait plutôt un minimum de respect à notre nouveau chef, hein? Il sera respecté quand il le méritera. On est d'accord. D'accord, d'accord. Maintenant, sortez de là. Je vais vous montrer qui est le chef ici. Qu'est-ce que je vous avais dit? Comme sur des roulettes. Ce type était un moins que rien. J'ai connu beaucoup plus coriace. Mon cul. Sans moi, on aurait pu vous ramasser à la petite cuillère. Je sais bien que vous comprenez pas ce qui se passe et que tout arrive bien trop vite. Mais vous devez m'écouter. Se débarrasser de Colter, c'était pas une décision prise à la légère. Ça faisait un moment que certains d'entre nous y pensaient. Maintenant qu'il est mort, la place de Grand Manitou est vacante. Et devinez quoi? Vous venez d'en hériter. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance et de tenter le coup. Je vous jure que ça en vaut la peine. Vous voudriez que je prenne la tête d'une bande de pillards? C'est une blague? Avant de cracher dans la soupe, si vous commenciez par m'écouter, hein? Il y a 3 gangs de pillards qui mènent la barque à New Coward. Les disciples, les opérateurs et la meute. Et oui, des fois que leurs noms vous suffisent pas pour le comprendre, ces types ne sont pas des pillards comme les autres. C'est tout sauf des enfants de cœur. Même entre eux, à cause de Colter. Cet endroit est un baril de poudre qui n'attend qu'une seule chose, exploser. Au moindre faux pas, on aura un bain de sang sur les mains. Je crois que vous êtes capable de changer les choses et d'empêcher ces gangs de se déchirer. Ça a l'air marrant. Vous pouvez compter sur moi. C'est ce que je voulais entendre. Maintenant, j'imagine que vous avez un paquet de questions à poser. Mais c'est pas l'endroit, ni le moment. Retrouvez-moi au fief du Grand Manitou, vos nouveaux quartiers. Le restaurant qui surplombe le Mont Pétillant. On pourra y causer. Je vais vous ouvrir la porte. Voilà. Gage. On va garder nos petites conversations pour nous, si ça vous dérange pas. Retrouvez-moi dans les quartiers du Grand Manitou. Thank you.